d'apprivoiser ta respiration, de découvrir de nouvelles passions. Tu veux apprendre à plonger? Vas-y, lâche-toi avec Aquadomia. Bonjour, 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 c'est Vincent de l'école de plongée Aquadomia. Bienvenue à ce live qui se fait au Salon de la plongée, à l'occasion du Salon de la plongée auquel je ne suis pas présent. Et donc, j'ai décidé de faire une série de mini-événements en live. Alors, je triche un peu hein, parce que c'est un live que je suis en train de pré-enregistrer et donc je ne pourrai pas répondre en direct à vos questions. Par contre, n'hésitez pas à faire des commentaires. Hein, donc, pour me présenter, je suis moniteur de plongée, je suis le fondateur d'Aquadomia. Hein, si vous voulez en savoir plus sur Aquadomia, vous pourrez regarder un des lives précédents où je présente Aquadomia. Et nous sommes donc basés à Marseille, Parc National des Calanques, toute l'année, mais aussi dans les Caraïbes, lors de l'université d'hiver Aquadomia. Alors, je reviens tout juste de cette première université d'hiver que j'ai fait à Cozumel cette année en 2022 avec Dune Mexico, avec Dune Cozumel. Hein, vous ne le savez peut-être pas, mais je suis partenaire, Aquadomia est partenaire de Dune à Marseille. Nous utilisons les infrastructures de Dune en partenariat avec Dune Marseille et l'université d'hiver se fait donc naturellement avec notre partenaire qui est maintenant un partenaire historique puisque ça fait de longues années que nous travaillons en partenariat. Donc, l'université d'hiver, ça consiste en quoi? Ce n'est pas un voyage plongé, c'est bel et bien de la formation. Comment s'est née cette idée d'université d'hiver? Tout simplement, j'ai eu envie, un mois de février, alors que j'étais à Marseille, qu'il faisait très très froid, de me dire que être au Caraïbes, ça aurait été ça pouvait être bien, quoi, en fait. Hein. Et donc, l'université d'hiver est d'abord née pendant 7 ans en Martinique. Et maintenant, en 2022, j'ai testé Cozumel. Et je peux vous dire que c'est top, c'est extraordinaire. Hein. Je suis rentré il y a une dizaine de jours et là-bas, je me suis régalé. Alors, pourquoi on se régale à Cozumel en formation? Hein, je précise bien que c'est de la formation plongée, formation intensive avec des formules 2 à 6 semaines de formation pour vous permettre de passer des grands caps. Hein. Alors, pourquoi on se régale? Ben, bien sûr, ce sont les Caraïbes. Donc, vous avez la chaleur du soleil en plein hiver. Et donc, ça, c'est top. Ensuite, c'est l'accueil
d'Amérique du Sud, hein, des Mexicains, on est vraiment dans un monde de service. Et ça, j'ai pu voir la différence par rapport à la France, par rapport à la Martinique. Il y a vraiment une notion d'accueil qui est très ancrée chez les Mexicains et qui fait vraiment plaisir. Donc, l'université d'hiver Aquadomia à Cozumel, c'est vraiment une super expérience. Si on parle de température, hein, donc les températures sont un petit peu plus fraîches qu'en Martinique en termes de température d'air, hein, donc vous pouvez tout à fait emmener quelques t-shirts, manches longues, pas trop, hein, une petite veste au cas où il y a des épisodes de fraîcheur comme j'en ai connu. Pour la température de l'eau, attention, c'est 27 degrés. Peut-être ça peut baisser à 26. Bref, c'est des températures très, très bonnes. Hein. Moi, j'y ai plongé en shorty. Si vous êtes frileux, avec une combinaison 5 mm, ça fera très, très bien l'affaire. Donc, Cozumel, pour situer Cozumel, hein, c'est une île qui est en face de Playa del Carmen. Hein. Donc, on est dans le Yucatan. On atterrit généralement à Cancun. Il y a une heure de route en transport pour aller à Playa del Carmen, et ensuite c'est 40-45 minutes de ferry pour aller à Cozumel, des ferries qui circulent toutes les heures. Alors, le principe de l'université d'hiver, c'est donc de vous proposer des formations longues pour bien profiter de l'hiver avec la chaleur des Caraïbes, avec des formations qui peuvent être du niveau 2, du niveau 3, du niveau 4, du dive master, mais aussi du dive master et de tech et de l'instructeur tech. Alors ça va être la nouveauté que je mets en place pour 2023. Ce sera tout début janvier. Vous aurez la possibilité, pour quelqu'un qui est déjà dive master ou quelqu'un qui est déjà instructeur de plongée loisir, si vous avez déjà fait un cursus intro to tech et cavern diver, que vous pouvez faire avec Aquadomia à Marseille, Parc National des Calanques, vous aurez la possibilité sur 2 semaines, avec un mixte Playa del Carmen, Cozumel, de passer soit votre Dive Master Tech, soit votre Instructorat Tech, avec une première semaine, 5 jours de formation dédiée à la formation Cave pour passer l'intro to Cave, et ensuite le reste de la formation sur Cozumel pour affiner votre formation de moniteur tech à la fin de ou dive master tech. À la fin de cette formation, pour devenir instructeur tech, vous deviendrez donc certifié intro to cave, cave diver en fait, et moniteur nitrox et intro to tech. Vous ne serez pas moniteur cave, hein, je ne vous ai pas dit ça. Et si vous êtes dive master tech, vous serez donc qualifié pour encadrer des plongeurs tech, bien sûr, pas pour la plongée cave, là c'est différent. Mais pourquoi je fais ça? Tout simplement parce que au Mexique, on a l'opportunité d'aller dans des magnifiques cénotes, les plus beaux sites de plongée spéléo au monde, et donc c'est une super opportunité, et en plus ce sont des formations qui demandent un niveau des exigences très élevé en termes de configuration, en termes d'équilibre. Et donc, ces formations vont être extraordinaires. Hein, je fais ça là-bas avec, en co-teaching avec un moniteur local qui connaît ça par cœur. Hein, donc, moi, je serai entre guillemets un assistant. C'est lui qui fera la formation. Je vous présente quelques images d'essai notes. Ça vaut le coup. Et on se retrouve aussitôt après. La plongée, c'est pour toi. C'est vraiment pour toi. Apprendre à plonger.
devient. Voilà pour ce qui était d'un aperçu des cénotes. Ça donne envie, n'est-ce pas? Alors là, bien sûr, ce n'était pas une formation, hein, c'était une discover cénote, un discover caverne. Si vous venez à l'université d'hiver, donc comme je vous l'ai dit, pour devenir Dive Master Tech, si vous avez les prérequis de Cavern Diver et d'Intro to Tech, et si vous avez le matériel nécessaire, hein, c'est-à-dire une stab dorsale pour bibouteille, deux détendeurs avec un détendeur avec un tuyau long de 2 mètres et bien sûr les dévidoirs qui vont bien et les 3 lampes. Donc vous pourrez, si vous êtes dive master qualifié caverne et intro to tech ou moniteur loisir qualifié caverne et intro to tech, vous pourrez sur 2 semaines suivre cette formation pour devenir dive master tech ou instructeur tech. Ça, ce sera début janvier. Autrement, si vous venez à l'université d'hiver à Quadomia, à Cozumel, donc il y a des cénotes à Cozumel, mais elles ne sont pas accessibles en plongée traditionnelle, vous pourrez tout à fait découvrir les cénotes du continent. Hein, ça, vous pourrez le faire le week-end, puisque durant l'université d'hiver à Quadomia, les formations ont lieu du lundi au vendredi, comme à Marseille. Hein, c'est en semaine, vous avez le week-end off pour vous reposer, mais vous pourrez aussi, si vous le souhaitez, organiser un Discover Caverne avec d'une Playa del Carmen qui se fera un plaisir d'organiser ça. C'est simple, hein, il vous suffit de prendre le ferry le matin, de rendez-vous à Playa del Carmen au site de d'une Playa et de là vous partez pour aller explorer, même pour des novices, hein, pas des novices en plongée bien sûr, mais des novices de la plongée souterraine, pour aller découvrir ces cénotes. C'est vraiment un univers merveilleux. Vous avez vu, à un moment ça se trouble, c'est tout simplement parce que dans les premiers mètres c'est de l'eau douce et vers une dizaine de mètres ça devient de l'eau de mer et donc ça se trouble. Il faut savoir aussi que dans les cénotes, les températures sont plus fraîches. Hein, on peut avoir des températures qui sont plus de l'ordre de 21 degrés, avec une température qui est fraîche au départ dans l'eau douce et qui est un peu plus chaude dans l'eau de mer. Donc, ce que je vous ai dit tout à l'heure sur les équipements de plongée, en shorty dans les cénotes, c'est un peu juste. Il vaut mieux avoir une combinaison intégrale. Là, vous avez vu, on avait les combinaisons 3 mm. Après, si c'est pour des formations cave comme celle dont je parlais tout à l'heure, là, il vaut mieux avoir une combinaison plus conséquente et pourquoi pas une étanche. Ça va très, très bien pour la plongée cave. Alors, j'ai parlé des cénotes. Maintenant, parlons de Cozumel et des formations que je vais pouvoir vous dispenser là-bas, niveau 2, niveau 3, niveau 4, Dive Master. Ça va dépendre de votre niveau d'entrée. Encore une fois, c'est des formations qui, pour la durée minimum recommandée, va être de 2 semaines, par exemple, pour un niveau 3, 3 semaines pour un niveau 4 et Dive Master, tout simplement de façon à avoir le temps de faire bien les choses. Vous avez pu voir dans les images qu'il y a plusieurs configurations de plongée. On peut soit partir en bateau, dans ce cas-là on part en ce qu'on appelle two tanks, hein, c'est-à-dire que c'est un rendez-vous à 9h, on prend le bateau à 9h30, on rentre vers 14h30, 15h, on passe donc la journée en mer avec une petite collation à bord pour couper la faim, et là on va généralement
dans les parcs sous-marins. Donc, les navigations peuvent être un peu longues, hein, peuvent atteindre l'heure. Et là, la caractéristique forte, c'est que ce sont des plongées dérivantes avec un courant très, très fort. Hein, donc, il faut bien sûr adapter la formation par rapport à ces conditions. La formation se passe sur des sites de plongée qui consistent généralement en un plateau qui est sur 8 à 15 mètres, puis un tombant vertigineux qui descend, qui descend jusqu'à 300 mètres. On n'ira bien sûr pas à 300 mètres. Pour la formation niveau 3, là, à Cozumel, on va se limiter généralement à plutôt 45 mètres, peut-être un peu plus, mais on ne va pas glisser trop, tout simplement, parce que c'est de la plongée dérivante. Et donc, on ne va pas s'exposer à des grands risques par rapport à la profondeur, tout simplement. Voilà. Donc, je vous ai parlé des plongées bateaux. On a aussi la possibilité de faire des départs plages, là pour des plongées peu profondes, pour revoir tous les fondamentaux en termes d'équilibre, de sauvetage, hein, dans une dizaine de mètres d'eau. Et on a aussi la possibilité d'utiliser des piscines, pour ce qui est très très utile, hein, là aussi pour travailler les fondamentaux. Et ça peut aussi servir si par exemple le vent ne permet pas de sortir. Hein. Ce sont des choses qui peuvent arriver à Cozumel, hein, des interdictions de sortir plongée, tout simplement parce qu'on a un vent du nord-ouest qui rend toute la façade sur laquelle la plongée est pratiquée impraticable. Donc, dans ces cas-là, durant l'université d'hiver, on a soit la possibilité de faire des ateliers théoriques, soit de faire des ateliers en piscine, qui est un endroit sympathique, hein, pour améliorer ses compétences, notamment en termes de trim, en termes de palmage, pour travailler sur le frog kick, sur le back kick, etc. Donc, l'université d'hiver, c'est vraiment un produit qui vaut le coup. Si on parle des tarifs, les tarifs, vous les retrouverez sur aquadomia.com, hein, sachant que je ne les ai peut-être pas encore mis en ligne pour 2023, qu'il va y avoir des offres early bird, c'est-à-dire plus vous réservez tôt, moins ce sera cher. Sachant que sur place, vous devez bien sûr organiser votre hébergement, votre vol. Pour ça, je peux bien sûr vous donner des conseils, et sachant que c'est le Mexique, hein, donc c'est très accessible. Vous avez possibilité d'avoir une petite pension, enfin une petite hôtel qui est juste à côté du centre d'une Cozumel qui fait un remarquable travail. Hein. Donc là, vous êtes en plein centre-ville et vous êtes tout près du centre. C'est pas très cher, hein. Généralement c'est une trentaine d'euros la nuit, ou enfin pas beaucoup plus. On peut trouver des hébergements dans ce tarif là, hein. Donc c'est là aussi, la vie là-bas n'est pas très chère, hein. Pour manger au restaurant, vous pouvez manger pour une dizaine d'euros, c'est possible. Bien sûr, il y a tous les prix qui se trouvent là-bas, on parle en pesos, en dollars mexicains, en pesos. N'hésitez pas, si vous venez pour un séjour long, à prendre une carte spécifique qui vous permet de faire vos virements, vos paiements, etc., sans être assassiné par les frais de change et les frais de transaction. Donc, un pays très très sympathique. Moi, j'y ai commencer à bredouiller l'espagnol, et d'ailleurs je vais sûrement mettre en place des lives avec une prof d'espagnol que j'ai trouvé là-bas, pour vous permettre de discuter un peu en espagnol avant de vous rendre à Cozumel. Alors, Cozumel, c'est une ville qui est aussi, c'est une île, hein, donc pour vous la situer, elle fait 40 km de long sur 18 km de large. On peut en faire le demi-tour, hein, puisque la partie nord est assez sauvage et il n'y a pas de routes pour faire le tour complet. On peut en faire le demi-tour en vélo, hein. Moi, je l'ai fait avec un petit VTT qui était inclus dans ma location. Bon, ça fait quand même 64 km, hein, mais c'est l'avantage, c'est que c'est plat, c'est que les pistes cyclables
y sont présentes. Et donc, si vous venez pour faire l'université d'hiver à Aquadomia, les week-ends, vous pouvez tout à fait partir à la découverte de l'île. Qu'est-ce qu'on va découvrir sur l'île? Là aussi, il y a des parcs pour vous permettre de découvrir les crocodiles de Cozumel. Vous pouvez aussi apercevoir le raton laveur nain de Cozumel. Vous pouvez aussi, Cozumel, ça veut dire l'île aux oiseaux, voir plein d'oiseaux, des pélicans, des aigrettes, des vautours, des aigles, des iguanes aussi. Donc, c'est vraiment super. Vous avez plein de plages privées. Hein, c'est des restaurants plages privées sur lesquels vous pouvez prendre un transat, aller faire du snorkeling, manger et réviser tranquillement sur votre transat. Donc, il y a vraiment des tas de choses sympas à faire. Il y a aussi des temples mayas à visiter. Ils ne sont pas aussi prestigieux que ceux qu'on trouve sur le continent, mais c'est vraiment sympa. Donc, ce live, c'était pour vous présenter l'université d'hiver Aquadomia à Cozumel avec Dune. Pardon, excusez-moi. Donc, ce qu'ont retenu les clients qui y sont allés, c'est vraiment l'accueil des Mexicains, l'accueil aussi de Dune là-bas. Hein. C'est vraiment sympa d'avoir un partenariat comme ça qui permet de travailler aussi bien. Et puis, le dépaysement. Donc, vraiment une super opportunité. Hein. Ça peut être le mieux hein. Pour l'université d'hiver, c'est de venir quand même, si vous avez un projet de devenir pro, de faire notre formation Changer de vie, d'avoir déjà passé le niveau 1 et on peut mettre en place cette formation 6 semaines pour devenir dive master, par exemple. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Hein. Je rappelle que c'est un live qui est fait, qui est pré-enregistré, hein, donc je ne peux pas vous répondre tout de suite ici, mais n'hésitez pas à poser des questions en commentaire ou à me contacter par téléphone à des horaires décents, s'il vous plaît, pour me poser des questions sur la formation qu'on peut vous organiser à Cozumel. Hein, je vais vous remontrer bientôt la vidéo avec les spécificités qu'on peut voir là-bas. Je vous ai dit qu'en plongée, une des spécificités, c'est qu'on est le long de la deuxième plus grande barrière de corail au monde, avec des fonds qui vont jusqu'à 300 mètres, avec des coraux qui sont merveilleux. On a des cavités qui sont très sympas à voir. Et puis, en faune spécifique, ce qui est absolument génial, c'est voir les raies léopards, les tortues, les requins nourrices. Il y a aussi le poisson crapaud qui peut être observé là-bas. Bref, moi, ce que j'ai super apprécié, c'est vraiment la visibilité. On a des visibilités de l'ordre d'une cinquantaine de mètres à Cozumel, une eau très claire. Comme vous allez pouvoir vous le voir dans les images que je vous laisse visionner tout de suite. Et je vous dis à très bientôt. Si vous êtes au Salon de la Plongée, je vous souhaite un excellent salon. Et puis, j'espère vous accueillir bientôt, soit à Marseille, Parc National des Calanques, pour votre formation, soit à Cozumel, lors de l'université d'hiver Aquadomia avec Dune Mexico. Et je vous souhaite surtout de très, très belles plongées. C'est parti pour les images de Cozumel. De quoi vraiment se régaler. À bientôt. Formation Aquadomia. T'adores ce que tu vois. Tu ouvres grand les yeux quand tu plonges dans le grand bleu. Vas-y, la plongée, c'est pour toi. C'est vraiment pour toi. Lâche-toi avec Aquadomia.
avec ton détendeur ou ton récifleur.